Ok. Let's go. Top. Allez, hop, je réenlève le chat hein, pour que vous puissiez jouer aussi et participer pendant que nous on joue. Bah, des bisous. J'espère que vous avez kiffé la game. On se retrouvera quand je serai espion de tout à l'heure. De toute façon, pardon. Et non, Céline ne live pas Super Pitch. Elle ne live pas la page chaîne Twitch. Céline, c'est mon bras droit. C'est ma collaboratrice, celle avec qui je travaille et qui gère tout l'administratif et tout la gestion des projets autour de la Ponce Corp. Voilà. Et comme tu le vois, là, elle est pendant ses heures de travail. Donc, autant dire qu'elle travaille vraiment beaucoup. Voilà. Bah, vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Bon, allez, bisous à toutes. À toutes. Allez vous mettre des châtaignes. Oh là là. Peu importe lequel de vous a trouvé la fève. Il ne sert à rien de pratiquer le karaté. Et le volume sonore n'y fera rien. Entrez donc danser sur la piste. Je reviens sur un camoulox, là. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas très loin. Mais c'est bien ce qu'elle fait. Qui veut un petit lavage, j'ai une poire. Faisons un petit poker. Et tournons un film. On ira acheter des cartes chez Mammouth. Et des bières. Mammouth. Il y a encore des mammouths en Suisse? Oui, quelques-uns, oui. Okay. Ah oui? Bah ouais, c'est... Non. Ça s'est pas arrêté dans au millénaire dernier, les mammouths? Oh, et du coup, ça me fait penser à un truc que vous aviez dit oui, comme si vous aviez vraiment cru. Quand j'étais petite, j'étais à l'école, il y a un gars, il avait fait un exposé sur le dahu. C'est un animal qui a deux pattes plus courtes que l'autre et il est en montagne. Oui. Et du coup, il est tout le temps dans le même. Et il a fait un exposé comme ça existait. Et à la fin, il nous a même fait goûter de la viande séchée en nous disant que c'était de la viande de dahu. Et du coup, moi, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, ouais, j'ai goûté de la viande de dahu. Elle m'a dit non et ça n'existe pas, le dahu. Et moi, je me suis embrouillée de fou avec ma mère. Parce que je lui ai dit que j'avais appris ça à l'école et que c'était, qu'elle avait tort, tu vois. Limite, viens avec moi à l'école, tu demandes à la maîtresse et tout. Je me suis trop embrouillée. Et on est arrivé l'après-midi et la prof, elle a dit à l'élève de venir nous dire qu'en vrai, ça n'existait pas, le dahu. Wow. Voilà. Moi j'ai cru dire comme faire. Bah ouais, normal. Mais voilà. Moi j'ai toujours trouvé ça chelou quand même. Hein. Le dahu, c'est-à-dire t'as vraiment ton côté droit ou gauche, ouais, qui est plus long que l'autre, c'est bizarre comme délire. Mais non, mais c'était évident quand c'est présenté en mode c'est parce qu'il est sur le bord de la montagne. Ouais, mais. Et puis après, s'il se retourne, il chute et il roule en plus. En fait, il tourne que dans un sens, le man, sinon il est mort. Tourne que dans un sens. Mais c'est terrible en vrai comme ça. Il tourne autour de la montagne toujours de même. Mais enfant, j'étais comme toi, j'y ai cru dur comme faire en colonie dans les Alpes, voilà. Ah ouais. C'est un truc légendaire, hein, vous êtes légende, quoi. Mais du coup, Mammouth, licorne, si vous voulez savoir, la disparition de l'enseigne Mammouth, c'est... 2003, non 2009. Oh. Ah, donc c'est beaucoup plus récent que ce film. Ah, what the fuck, déjà? Bah, écoutez, je smurf sur la game, quoi. Waouh, le niveau. Oh wesh, mais du coup, j'ai fait le lien avec le dahu parce que j'ai cru que tu me demandais s'il y avait encore des mammouths, l'animal. Oui. Ah non, mais non. Mais il n'y a jamais eu mammouth en Suisse, je crois, le magasin. C'est trop grave. Qu'est-ce que c'est? Moi, je connais le nom. Je sais que mammouth, c'est un magasin parce que c'était dans un sketch de François Pérusse, là. Mais du coup, t'as cru que ma question, c'est est-ce qu'il y a des mammouths en Suisse, genre l'animal? Oh la dinguerie! Ces... Tout à l'heure, elle pensait que t'étais très cultivée et. Mais je pense que Ponce il saura parce qu'il est très cultivé et là, j'avoue, ton chat. Mais tu te rends compte que t'as dit quand même qu'il y en avait quelques-uns, tu sais ou pas? Tu te rends compte ou pas de ça? Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça, j'ai rigolé après, j'ai dit, oh, il en reste un ou deux. Ah bon? Et tout, j'ai en mode trop choqué, j'étais la meilleure. Moi j'étais en mode, ah bon? Genre la marque a tenu, genre ils en ont un en Suisse? Genre histoire d'eux, tu vois? Moi j'ai en fait, pensé, je sais pas, il nous restait un mammouth dans un zoo, tu vois? Mais tu sais que s'il y avait encore un mammouth en vie, enfin ce serait la plus grande découverte scientifique de genre du siècle en fait, genre. Bah, à part si ça fait longtemps qu'on le sait, tu vois. Mais c'est pas une découverte, on a toujours su qu'il y avait ce petit mammouth en Suisse. Il a toujours été là, celui-là. Ah, c'est exceptionnel. Il lui fait faire des bébés avec des éléphants et tout. Oh, là, mais attendez, y a pas eu un bail comme énorme, ça, par contre, premier degré. On a pas retrouvé un mammouth bébé quasiment intact dans le. Il était cryogénisé. Non, on a retrouvé un papout. Allez, papout. Discothèque en 4. What the. Wow. Je comprends rien. Y a des papouts en Suisse. Alors, y a plein de poutes et des papoutes, mais il y en a voir aussi. Oh, Allez, discothèque en... Oh, discothèque, les gars. Bon, stylé de ouf. Discothèque en 4. Mais je suis déjà claqué, frère, ça fait une heure et demie qu'on joue, c'est ouf. C'est
c'est vraiment un papoute, c'est quelque chose. Non, arrêtez. Je sais pas, peut-être j'ai pas bien. Stop, fils de troll, s'il vous plaît. Les papoutes, quoi, c'est tout. Bon, c'est nous les rouges. Oui, c'est ça. Parfait. Ok. Donc, okay, on rentre en piste. Oui. On, voilà, on, quand on arrive sur la piste. Ok. On utilise claquer. Qui du bif. Pas d'embrouillement, pas de litige. Ah, mais c'est un gorille qui chante ça. Waouh. What? J'arrête, j'arrête. Pardon? Mais parce qu'il dit on va te casser le dos et il dit ok, d'accord. Mais quel est le rapport avec le gorille? Bah, un gorille ça peut te casser un dos. Pas que le dos à mon avis. Bah oui, non, là c'est. Oui, pas que le dos. Ouais, voilà, c'est en mode de combat quoi. Enfin bref. Ouais, okay. Mais là ça n'a pas de rapport, là le mot c'est discothèque du coup. Alors, c'est vraiment. En vrai, j'ai un rapport avec discothèque. Mais. Toi personnellement? Non. Oui, moi. J'ai eu un rapport avec les discothèques. J'ai baisé dans une discothèque. J'avoue, j'ai baisé. Je suis en train d'ouvrir ma boîte. Un rappeur dans une discothèque. Il y a 50 Cent, Totti, qui a fait une chanson. Mais pourquoi tu parles de rap? De rappeur dans une discothèque. Il a dit il y a des rappeurs dans des discothèques. Alors qui a dit ça? Des rapports. Ah, des rapports. Mais voilà. Oh là là. Attends, à part ça, je suis désolé, mais j'ai l'air bizarre parce que je parle de rappeur dans les boîtes. Il a mis licorne. Ok, mais... J'ai pas fait exprès. Mais... Ah, d'accord. Enfin, je. Tsuna? Mais attends, mais. Ça va? Quoi, tu viens vraiment. Mais... attends, je suis désolée, mais rappeur et rapport, c'est pas si éloigné, genre. Mais non, mais non, non, mais non, non. Non, mais c'est juste qu'on ne parle pas de. La même chose. De rap, en fait. De base. Enfin, y'a pas de. Vraiment pas, hein. C'est pas parce qu'il y a des discothèques qui font forcément des showcases, hein. D'accord. Tsuna, la dernière prise, la dernière prise des de qui font des... le cocktail LSD, MDMA, ecstasy. Là. Quand est-ce qu'il a été pris, ce petit cocktail là? Mais écoute, en vrai de vrai, à quelle heure? Jamais, mais. Ça fait 45 minutes, je suis en pleine montée. Okay, je vois flou là. Okay. Je vois flou. Ah. Non mais j'écoute vos j'ai propositions. J'ai les yeux qui tremblent. Ok, on va en discothèque, on boit de l'alcool, on tombe malade. Il y a des scènes en quoi discothèque, effectivement. Quoi mais Tsuna, ah oui, attends, t'es déjà allé en boîte devant. Oui, je suis déjà allé en boîte et me dis pas qu'il y a pas des gens qui vomissent en boîte, dehors des boîtes, dans les boîtes, dans les toilettes des boîtes, ça sent pas le vomi. J'ai déjà vomi sur une table. Merci, on va les rats. Voilà. Merci Céline. Le factuel du truc, genre. Merci. J'ai déjà vomi sur une table. Bon, les pierres, j'en ai plein le cul. Ensuite, une coupe de champagne en discothèque. On monte en scène quand on arrive sur la piste. Volume, parce que le son est très très fort. Oh putain, merci. Ouais, volume. Je suis d'accord. Ensuite, Canada. Pourquoi Canada? Et je rigole. Parce qu'au Canada, il faut savoir, c'est le pays où il y a le plus de boîtes de nuit au mètre carré. Non. Et beaucoup de rappeurs aussi d'ailleurs. Non, et beaucoup de rappeurs. Non, là c'était pour faire. Ok, bref. Bon, est-ce qu'on irait pas sur volume? Genre... Volume, c'est très bien pour discothèque, je dirais. Voilà, nickel. Magnifique. Ok. C'est en 4, il nous en manque un. Bah, scène, je dirais. C'est celui qui me semble le plus logique de tous ceux qu'on a mis. Attends, je suis très clair dans mes idées en ce moment, alors voilà. C'est clair. Si, tu l'as, t'inquiète, on est. C'est bien. Ok, fou. Non, mais scène, c'est ce qui me semble le plus logique. Sinon, film, y a pas un film connu dans une discothèque? Non. Ah si. Ou un film qui s'appelle discothèque. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Pour le coup, il y en a énormément. Après, peut-être c'est pas sorti en Suisse. Disco ou discothèque. Ah, un truc avec Claude François. Un truc qui s'appelle comme ça, disco ou je sais pas quoi. Non, mais t'as littéralement Boom. La Boom, c'est très très connu, notamment. Oui. Après, la Boom, ça se passe en discothèque. C'est pas dans une discothèque, c'est une Boom d'école, non? C'est dans un appartement parisien très chic. Ah, voilà. Ça m'étonne. Et ben voilà. C'est exceptionnel. Pour parler des videurs à l'entrée. C'est vrai que les videurs sont souvent costauds, mais bon, on va pas non plus. Mais alors si, pour le coup, c'est vrai que c'est parfois utilisé le mot gorille pour les videurs. Genre, t'as les gorilles. Ouais, mais attends, une scène dans une discothèque, ça me semble bien plus. Bah, c'est dans mon chat. C'est non, mais oui, mais mec, c'est pas ça. Ah, est-ce que tu crois que ça peut être ça? Non, mais je pense pas. Moi, j'ai les infos de toute façon, donc ça se trouve je mytho. Ben, tu t'es fait sortir par le gorille, bon.
Mais Luty, tu devrais pas être mute, toi, là. Si c'était écrit 5, j'aurais pu penser à Gory. Mais là, en vrai, dans une discothèque, il y a des showcases, il y a une scène, ça me semble tellement plus logique. Oui, scène, et moi aussi. Je reviens avec mon booba et tout, mais. Moi aussi. Ah, en vrai Ah, y'a Nakamura, tout ça, ils font des showcases en boîte. C'est vrai, non, mais t'as raison. Pour le coup, t'as raison. Ça me semble un peu plus logique que Gory, quand même. Ouais. On tente scène, je tente, je clique. Vas-y. I click. Comme ça, c'est moi qui fail au pire. Vas-y. Let's go. 3, 2, 1, clic. Yes. Bien joué. Et viens juste pour la forme, on met Gory. On met licorne. Ah non, ok. Non. Tu veux essayer de Gory? En vrai. Une super synergie. Pour le contenu. Oh les bâtards. Oh le contenu de Zaza. Alors ça. Oh les bâtards. Eh ben forcément. Elle avait pas pensé à un démo qu'on a mis et du coup elle pensait à Gory parce qu'il y a des gorilles de videurs devant la boîte et peut-être elle a hésité à mettre 4 et tout, on sait pas. Eh ben force à vous du coup. Ah bah alors là, je c'est pas du hasard, c'est un clutch. Ah si, c'est bien le hasard. Putain. Quand même. C'est... Aliment. Ah, y en a beaucoup. Ah, y en a beaucoup. Y en a pas mal des aliments là. Bon, ça va, il y avait plus que 4 en discothèque aussi, hein. Luty, t'es sûr que tu t'es pas planté dans le nombre de mots là? Parce que. Attends, déjà, je pense que. Est-ce que ça se mange le mammouth? La salade, c'est le plus. Non. En vrai, tu sais que, attends, il y a un bail. Ah. Est-ce que sardines, c'est pas pour discothèque? Parce qu'ils passent les sardines dans les mauvaises conditions. Non, mais ils en ont déjà 5 sur 4. Oh, c'est la discothèque. On sait jamais, on sait rien. J'avais pas c'est pensé. Non. Qu'est-ce qu'on essaierait non. au fond de cette boîte? Chante ben les oui, sardines. Monsieur. Entre lui chante et les sardines. Ah ouais. Non, mais la boîte. Non, mais arrêtez. Salade. Salade. Tu veux qu'on valide salade? Salade, c'est genre le méga. L'aliment. Ah, j'aurais plus mis poire du coup dans ces cas-là. Mais. Attends, c'est-à-dire, salade, c'est l'oméga, l'aliment. De quoi? Bah, disons que c'est une salade, c'est à la fois l'aliment, à la fois le plat. C'est. Je vois. C'est quand même une plante, premier c'est degré, quand même ouais, mais plus rapidement un plus aliment. Plus vendu chose. Que tous les autres. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que pour vous, un plat, c'est un aliment? Non. L'aliment, c'est les. Non, un plat, c'est composé d'aliments. Un plat, c'est la combinaison d'aliments. C'est composé d'aliments. C'est comme ingrédient, aliment, c'est un peu en synonyme, mais c'est ça, un plat. C'est... Mais du coup, la salade, c'est les deux. C'est et un plat. Par et contre, un Luty, aliment, faut vraiment pas que tu parles, du coup. Oui, voilà. Genre, ouais, genre mais vraiment. C'est bien. Si, du coup, tu es en train de dire quelque chose là. On peut mettre Bitel, on peut avancer. Ouais, tu veux mettre salade, du coup? Vas-y. Moi, je mets poire. Vas-y. Alors, ensuite, je pense que connaissant Luty, il doit pas vraiment connaître les légumes. Donc les fèves, il connaît pas. Ouais, il connaît pas. Il connaît même pas ce que c'est une fève. Je pense qu'il mange une fève, il vomit genre. Ouais. Je pense dans sa tête, il pense franchement. Galette des rois. Ouais, galette des rois. Cacao, chocolat, on sait jamais. Hein. Oh, vous êtes des bâtards. La fève quand même. Châtaigne. Ouais, mais. Ou alors, pareil. En fait, je mettrais genre mouton en aliment. C'est genre vraiment concret, quoi, tu vois aussi. Vas-y, go. C'est une vanne. Je sais pas, moi je me serais dit que mouton c'était un animal partie. Avant d'être un aliment du coup. Ouais, oui, je suis d'accord. C'était moins direct que la salade. Je suis d'accord. Toi Céline qui a arrêté de manger de la viande depuis 46 ans, tu sais très bien que le mouton c'est un animal avant d'être un aliment. Oh ouais, la châtaigne, ah oui, rien à foutre de la châtaigne. Je c'est, suis c'est... d'accord, mais un bon michui. En plus, je suis sûr qu'en disant ça, ça t'a dégoûté. Oui. J'ai vu le mouton mort sur une broche qui tournait depuis. Oh non, il a dit ça, je suis mort. Un bon méchoui. Bon, un bon méchoui quand même. Putain. Ça s'est senti qu'au moment où il l'a dit, c'était. Ça m'a fait vomir. C'était dur, ouais, c'était méchoui. Comme en boîte. Mais vraiment, j'ai entendu le méchoui. Méchoui. Merde, j'ai vraiment dit ça. Wouah. Oh là là. Un bon michoui. Mais désolé, c'est mes réflexes de viandard. Ouais, ça me dégoûte. Bah ouais, mais vous l'avez validé ensemble. Hein. on est en ultra clutch là. Non, mais Tsuna, c'est très très simple, nous avons gagné cette game. Voilà. Non, c'est incroyable. Oui, c'est notre seul. Allez, un truc en vrai, ça va changer. Tu te choques? Ça peut choquer, hein. Attention. La dernière fois sur licorne, à chaque fois qu'on a essayé de faire un truc ensemble, c'était un échec total. Non. Oh, la dernière session de licorne. Peut-être trois mots, si on est dans la même lancée que sur licorne, on peut être choquant. D'ailleurs, vous êtes là pour le licorne vendredi? Oui. Allez. Oui.
quelle masterclass quand même Lika en ce moment. C'est trop bien. C'est insane. Et c'est bah, la dernière session là. Ah, elle était incroyable. Ouais, vraiment, fou rire de ça. Mais les petits pièges et tout là, ça... bon, à chaque fois qu'il y a des trucs rajoutés quand même, ça. Je t'avoue que moi, ça vaudra jamais le fou rire que j'ai eu avec toi sur la potion, mais. Sur laquelle? Toi avec la potion de paranoïa. Oh, oh, c'était la première fois que je voyais ça. En plus la nuit sombre. Oh là là, c'était un cauchemar. Je pense que je m'en remettrai jamais. La paranoïa, c'est quand tu vois tout le monde en loup. Autour de toi, c'est ça. Quand il n'y a pas de loup. Mais en fait, le truc, c'est que la nuit. Ouais, c'était la première fois et la nuit est tombée pendant. Du coup, je savais plus. J'étais super de fou. J'étais en panique. Du coup, on était deux autour. Ils nous entendaient. Non, arrêtez. Non, ne me mangez pas. Ne me mangez pas. Et en plus, j'étais en larmes. J'en pouvais plus. C'était terrifiant. Et en plus, les voix, elles sont aussi modifiées comme si c'était des loups. Donc t'avais tout le monde qui me parlait comme ça. J'étais en mode arrêtez. C'est hardcore. Il avait vraiment trois loups autour de lui en mode salut bro, ça va. Ouais, voilà. Non, mais on te dit qu'on n'est pas loups, on va pas te grind, tout va bien. C'était horrible. Oh putain. Oh, c'était incroyable. Mais c'est très drôle ce qu'il a fait là. T'as un pote loup là. Ah mais Onu là, il est en train de faire le meilleur jeu possible. Franchement, c'est dingue. Ça, c'est... Je le redis, hein, mais Among Us à côté, c'est fade. Genre, vraiment. Ouais, franchement, je suis d'accord. Hein. Je me faisais trop chier sur Among Us. Ah, moi aussi, j'en pouvais plus. Et puis, je trouvais que tu voyais les écarts de niveau beaucoup plus facilement aussi. Ouais. Genre, vraiment, dès que quelqu'un était fort et quelqu'un était un peu nul, c'était injouable. Mais alors que sur Lican, tu peux avoir des hasards plus rigolos. Beaucoup plus de hasards, je suis d'accord. Genre, ouais, sur Lican, c'est moins factuel. Si tu te tapes une barre, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, même, tu sais, en fait, le fait sur Among Us que tu aies des tâches précises à faire dans un pattern et tout. C'est... Ça rend le truc plus tryhard. Ça rend le truc directement tryhard en fait. C'est. Ouais. Kent. Oh la Kent. Oh, Kent, là. Kent. Donc là potentiellement on joue plus là. Une Kent de tout. Ouh, Kent c'est chaud hein. Ouais, poker. Kent non, c'est mais, chaud. Là c'est parce que Lee elle sort de sa compétition là. Elle est en mode moi je touche la Kent. Ouah, comment tu l'as mis direct. Ouais, je l'ai mis direct. Bah si dans. Ah bah si dans poker. S'il y a pas poker, aussi, c'est loose quoi. Une Kent, le truc c'est qu'une Kent c'est aussi une suite. Voilà, faut se dire ça. C'est la même chose. Quinte et suite, c'est pareil. Du coup, voilà. Attends. Voilà. Non, force attends, à sauter. Attends. Ouais. Est-ce que c'est forcément tiré par les cheveux de fou? Oui. Il lui reste elle, quoi? Elle tente le clutch. Là, ok. Donc une quinte, à part un truc de carte, ça peut être quoi? On peut dire une quinte de tout, un bah, quinté. Je... C'est quoi un quinté déjà? Je me suis pris une quinte. Pas un truc avec un instrument de musique aussi? Moi, je pense qu'un quinté de mammouth ça tient. Tu t'es pris une quinte? Se prendre une quinte quand tu. Prendre une quinte? Ouais, quand t'es rebou. Ah bon? Je me suis pris une grosse quinte? Non. Ah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je suis peut-être en train d'inventer, mais j'ai déjà. Ah bah malade pour tout. Malade pour la quinte de tout. Quinte de tout, malade. Quinte de tout, malade. Oh la dinguerie que t'es en train de faire là. Non mais si, t'as raison. J'ai une quinte par de contre, tout. Le troisième, je sais pas, putain. Quinte de tout. Biggest quiproquo ou éclair de génie. Bravo. J'avoue. J'ai adoré ton imitation de la toux. Le quinté gagnant, il n'y a pas un truc. Le quinté gagnant, ça veut dire quoi? C'est par rapport à des courses? C'est par rapport à quoi? Ouais, c'est par rapport à des courses de chevaux. C'est du top. Une coupe? Du coup, une coupe. T'es dans le quinté gagnant, t'as gagné la coupe. Ouais, mais ils sont sur le cours? Non. C'est pas CEURT, certainement pas. Non, on dit plus hippodrome. Oh, j'ai chaud au crâne tellement. Oh, je sais. Oh, je l'ai. Oh la vache. Non, bah non. Allez. Ah toi, ok, j'ai cru que c'était. La quinte de karaté, ça n'existe pas. Non. Quinte flush, quinte, y a pas un film avec quinte dans le titre? Genre un James Bond? Non, c'est Casino Royale. Royal, c'est Casino Royale, mais je bah, crois ouais, qu'il mais y en ait coup... d'autres qui aient un rapport avec Casino. Ah ouais, mais du coup, il joue au poker, donc il joue. Donc voilà. C'est vrai. Opéra, la quinte. Ah! Ah, dans, rapport avec ah, la musique, bah dans la musique, il y a des quintes. La Kent. Oh putain, merde. Bon après, faut se dire qu'on et est large. On dit le quinté gagnant pour n'importe quelle sorte de course ou que pour les courses de chevaux? Non, c'est courses hippiques, courses hippiques. C'est vraiment courses hippiques. Que pour les courses de chevaux? Oui. Oh la licorne. Oh la course non, de licorne. Non, ça je pense c'est trop tiré par les cheveux. Oh la course de licorne. La vie. Je crois que ça n'existe pas les licornes. Il y en a en Suisse ou pas, Tsuna? Il en reste une. Il en reste quelques-unes. Elle est vers Lausanne. Elle sort entre les mammouths et les sirènes. Ok. Moi, ce qu'il faut se dire, c'est que ils ont 6 mots à découvrir. Donc, chill. Genre, chill. Est-ce qu'on malade? La quinte de tout, c'est ce qui me semble. La quinte de tout, elle est exceptionnelle. Je te laisse valider malade. J'essaye. Vas-y. J'ai peur. Oui!
Aïe, je me suis enlevé mon pansement. Ça m'a fait mal. Attention, il perd son doigt. Non, tout va bien, toi. Oh, nous sommes à la recherche de la phalange. Donc du coup, il nous reste juste un mot. Moi, je trouve que Opéra pour la quinte, c'est une masterclass. Voilà, je le dis ici ouvertement. Parce que c'est quoi une quinte avec Une quinte, c'est un écart de 5 tons entre deux notes. Ok. Mais est-ce que Ligaïa, c'est ça? Oui. Est-ce que Ligaïa, c'est ça? Non, mais le chat peut-être. Après, Li est peut-être violoniste. Elle a l'air de savoir plein de... Mais elle sait beaucoup de choses, Li. Je trouve qu'elle sait beaucoup de choses, ouais. Oui. Des trucs utiles. C'est pour ça des trucs. Ouais, c'est pour ça qu'elle sort des jeux de mots. D'avoir une mémoire qui retient les. Les trucs inutiles, ouais. Tu peux le dire. Ouais, enfin les anecdotes quoi. Ouais. Oh le jugement dans la voix. Oui, mais c'est plutôt bien d'être comme ça, d'être quelqu'un de curieux, ah, tu vois. Ah mais on l'adore comme ça, bien. Hein, vraiment, c'est comme ça. Hein. C'est plutôt un compliment. On est horrible de penser. Peut-être que même si c'est un plaisir. Non mais dans le sens où même si elle fait pas de musique, peut-être c'est le genre de personne à retenir quand même certains mots, tu vois. 100%. Est-ce qu'on irait pas sur Opéra et puis si c'est pas ça, bon bah go next, tu vois. Ouais, go. Opéra, et au pire, bah, sinon on sait que coupe, licorne, je sais pas. Licorne, vraiment, je n'y crois pas trop. Mais oui, pourquoi pas. Oh la licorne, mec, c'est très stratosphérique. Hein. Est-ce que je valide Opéra? Imagine, un jour, t'as des courses de licorne et bah, t'auras un quintet gagnant. Ouais, vas-y, valide, on teste. 1, 2, 3, Opéra. Ah. Dommage. Let's go. Ah. Dommage. Ah, ok, ça c'est cool, ça. Ah. Bon, ça fait du bien à l'outil. Métrage. Ah. Film, karaté, cours... Mammouth, c'est lourd, ça doit peser beaucoup dans franchise. Le kilométrage. Alors là, je suis fatigué. Donc déjà, moi, je pense que film est court, ça y est. Oui, ça, c'est obligé. Bah, go. La quinte, c'est 5 tons ou genre 5 notes et donc genre... Ensuite. Oublie pas qu'on a aliments encore. Bah oui, c'est pour ça que j'ai mis sardine, fève et châtaigne. Je sais pas. Ensuite. Est-ce qu'on valide châtaigne? Vas-y. Ok, est-ce qu'on valide sardine aussi. Attends, sardine ou fèves? Parce que tout à l'heure, sardine, c'était pas mouton, tu vois. Ouais. 3 tons et demi. Mais c'est vrai que c'est un truc vivant, oui, non, t'as raison. Excusez-moi, la quinte, c'est 3 tons et demi d'écart et non pas 5, comme je le disais, j'ai rendu n'importe quoi. Mais métrage. Il nous en reste 2 là. Ouais, il nous en reste 2. En fait, un aliment et un métrage. Pour moi, en métrage, il y a les franchises, tu vois. Enfin, c'est genre le MCU, Star Wars, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des métrages en soi, à la base. Oula. Sinon, il y a Karate Kid. Non, mais métrage... Il y a Karate Kid pour le film. Mais si tout ça, c'était des films, tu penses pas que c'est un deuxième sens de métrage, plutôt? Sinon, il aurait peut-être mis autre chose. Ah ouais, mais si du coup, tu mets... Ouais, mais en métrage... Ah non, il aurait pu mettre d'autres, en vrai. Ouais, parce qu'il y avait court-métrage, t'as raison. Bah même qu'il avait pas le droit de mettre film, en vrai, il aurait pu mettre quoi? Je sais pas, film. Vidéo. Réflexion qui est complètement pleine de bon sens. Ouais, voilà. Bon, fève ou sardine? C'est ça, pour moi, là. J'aime vraiment trop Codename, ça, on sait ce qu'on dirait jamais. Mais en vrai, en fait, j'ai trop envie de mettre sardine, parce que la fève, je suis trop avec toi sur le fait que ça se trouve, il connaît pas le... Non, mais si c'est sûr qu'il connaît la fève, arrêtez. Vous pensez qu'il connaît la fève? Je pense qu'il connaît la fève, honnêtement. Oui. Mais que si t'étais lui, et que tu parlais de bouffe. Ouais. Tu penserais d'abord tu à une plus fève ça rit, d'abord pizza, à plutôt une pizza, fève, une pizza margarita. Non, mais c'est pas le... Ah. Non, mais ok. Parce qu'il y a la bouffe. Parce que je suis un peu traumatisée du mouton quand même, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, une sardine, c'est un animal avant d'être un aliment. Bah oui, ouais. C'est pour ça. Après, dans ce cas-là, on peut dire la fève. Pareil, la fève est une plante avant d'être un aliment. Ouais, mais tu vois, ça marche c'est... pas avec la salade. Oui, mais on s'en fout de la plante. Ah, c'est hein, ce que je veux dire. Bah oui, on s'en fout de la plante. Désolé auprès de toute ma communauté, hein. Genre, on adore les fleurs non, ici, vraiment. Non, elle, oui, elle regrette ce qu'elle vient de dire, okay. Bien sûr. Je veux pas dire, mais il y a des fleurs quand même que c'est plus des fleurs. Il y a des oui, arbres, voilà. C'est plus des arbres. Alors que là, c'est un peu un entre-deux. Tu vois, une fleur de courgette, tu penses d'abord aliment. Une rose, tu penses d'abord fleur. Genre, une patate, c'est une racine, je suis d'accord, mais en vrai, on s'en fout un peu des racines, c'est surtout de la bouffe, quoi, par exemple. Wow, je suis choqué de ce que j'entends. Alors qu'une sardine, ça vit quand même une vie avant qu'on la dégomme. Vous êtes bien super plus réducteur. Qu'une patate. Bon, bah, les sardines qu'on bouffe, pas sûr qu'elles vivent une vie, quoi. Un petit peu plus qu'une patate, quand même. Bah, une patate, elle vit sa vie aussi dans la terre, tu crois quoi? C'est un être vivant, t'es ouf ou quoi?
Oui, ok, non, je suis d'accord que c'est un être vivant et tout, mais au niveau, ça a quand même un peu moins de fonctions vitales qu'une sardine, ça bouge moins, ça fait moins de trucs, non? Ah, okay. C'est un peu moins mobile. Céline, oui. Tu peux croiser une sardine et... Tu croises pas trop de pommes de terre sur le chemin. On est d'accord qu'il restait, il restait deux aliments, ouais, et que c'était trois trucs, et que c'était trois, je pense que métrage, c'est trois mots. Oui, oui, ça c'est sûr. Il nous reste un métrage et un aliment. Ça, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. On est d'accord dessus depuis 3 minutes. Bon, du coup, on fait quoi? Fève. Vas-y, go Fève. Tu sais quoi, je te trust. Vas-y. Non, mais. Franchement, Luti, pour les véganes. Oh là 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 là. Oh, pour les véganes, la Fève. J'avoue, j'y croyais à la Fève. Moi aussi, j'y croyais. Écoute, un partout, en plus, un partout, c'est un la balle au centre. Et de la bouffe, genre. J'avoue, j'y croyais. Bah, ça veut dire que c'était sardine, hein. Oula, 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 oula. C'est passé. Ça va, Luthi, respire. Mais après, ça va, en... Ça va. En vrai, il n'y a pas plus de logique pour que ce soit mouton ou sardine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, du coup. Donc c'est rude. Bah, pour moi, c'est pareil. Hein. Bah, mais... c'est la même problématique, ouais. À part... Et comme l'autre était rouge, tu mais vois, c'est moi, même c'est pas sûr... qu'il était blanc, l'autre. Il était carrément rouge. Non, mais Karate Kid, les gars. Non non non, pour moi c'est pour moi je pense pas que ce soit karaté, pour moi c'est Karaté Kid. Oula. Après au tout début t'as dit oh les films c'est karaté. Oui, t'as non mais alors oui, mais je pense plus que c'est franchise que karaté. Moi de toute façon là parce que Karaté Kid est une franchise aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a franchise. De toute façon on a perdu là à cause de l'autre là. Non, moi j'aurais dit karaté. À cause de l'autre. GG well play. GG well play. Ah bah la coupe, la coupe, la coupe. Ah la coupe. Ouais, la coupe ou la licorne. Non, la solution aussi, mais... Si c'est licorne, je canne. Ok, vas-y, coupe. 1, 2, 3, coupe. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, c'était bien franchise, t'avais raison, Beetle. Beetle avait tout, ouais, c'était sardine franchise. En fait, ah, c'était bien franchise, ok, pas carré. J'ai vu aliment au début pour les 4, là. Et en fait, il y avait fèves et mouton en plus. J'espérais qu'elle fasse deviner mouton round 1, ce qui n'a pas été le cas. Et vous avez tombé sur ces deux-là avant de tomber sur sardine, quoi. Par contre, je savais pas pour la quinte en musique, mais très intéressant. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, c'était, en fait, c'était la coupe dernier pour quinte. Ouais, c'était ça. Ouais, le quinté gagnant, du coup. Ouais. Comme ça. En fait, en gros, à un moment, Tuna, elle a dit toutes les... Mais ce qui, vous savez, les gars, ce qui est fou de cette partie, c'est qu'au début, elle vous a dit, je vous jure, c'est vrai, elle vous a dit discothèque en 4, et vous avez cliqué l'intégralité des mots rouges. Ah ouais, vous aviez que les mots rouges. Ouais. Vous aviez malade, bah, coupe, scène, oui, c'est vrai. Mouton. Vous avez cliqué en rigolant sur gorille. Ah, vous êtes moqué de moi avec malade. Il y a que mouton et poker que vous aviez pas, mais vous aviez cliqué les 7 autres mots genre. Moi j'étais en mode je prends. C'était phasant. Hein. Ça me fait peur. J'étais en mode c'est perdu. Là si je change pas la vie. J'avoue, on était matrixés sur les mots. Le mental totalement down. Bah c'est fin de la game en fait là. Non après en vrai aliment je savais que c'était risqué et après je voulais mettre métrage et dans métrage je voulais mettre opéra. Si tu trouvais pas opéra je mettais métrage en 6. J'étais en mode allez-y yolo et c'était bien les franchises en effet. Alors ça, je reviens quand même dessus, mais du coup, le mot quinte, c'était le clutch en vrai. Ouais, dur, je voulais tenter un truc un peu cool. Mais c'était bien tenté, hein. C'était cool en vrai. C'était cool, mais... solide, hein. Je savais pas pour l'opéra, dommage, mais c'était bien vu. Mais oui, mais oui. T'es bien battu parce que nous, on a trouvé. Ouais, vu qu'on a trouvé. Ce qui t'a mis dans la merde, c'est que discothèque, ça faisait en effet penser à boîte de sardines. Et du coup, sardines, ça t'a un peu fait fuir. Puis il y a eu le mouton où on vous a dit, oh, mais mouton, c'est pas un aliment et tout. Tu vois, du coup, les deux trucs. Tu savais que la fève, c'était un légume? Bien sûr, je savais. En fait, oui, au début, j'ai mis aliment et j'ai dit, ah, au pire, il y a fève, c'est pas grave, c'est un blanc. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait mouton. Et j'étais en mode, en vrai, il me restait. J'avais rien d'autre, tu vois. J'étais en mode, vas-y, je tente. C'était très drôle pour les véganes. Alors que tu viens de dire, moi, je suis végé, mais je me ferais bien un petit méchoui, genre, il y a 5 minutes avant, quoi, genre. Et c'était quoi la quinte et coupe? C'était pour le quinte gagnante à la coupe, c'est pour, pour quinte flush en général, bon bah tu gagnes. C'est gagné, ouais, ok, ouais. D'accord. Ouais. Okay. De toute façon, quand il te reste que 3 mots, c'est forcément un peu tiré par les cheveux. Mais vous vous rendez compte que du coup, vous aviez dit la coupe de champagne et le malade dans la boîte. Ouais. Oui, les gorilles à l'entrée. Les premiers rounds, en vrai, c'était zinzin. Ouais. C'était fou quand même. Là, j'ai. Eh bien, je go directement en. Solide. N'espion, je vous dis à toutes. Attends. Quoi? Bah, il fallait que je quitte ton live. Ah oui. C'est bon, j'ai quitté. Vraiment, juste attends. Merci. Bisous à toutes. C'est parti, on est ensemble, je suis en espion, vous allez pouvoir m'aider. Let's go, on est les rouges. C'est parti. Mais du coup, pour revenir sur la quinte en musique, en fait, la quinte, c'est pas nécessairement 3 tons et demi, parce que c'est en gros, c'est un espace entre 5 notes, mais pour peu qu'on soit dans une certaine gamme, ça peut être une quinte, c'est 5 degrés. Ouais, du coup, mais du coup, c'est pas... Bon.
Comment expliquer? Tu peux l'altérer. Voilà, c'est ça. Ça peut être une quinte au-dessus ou en dessous, tu vois. C'est sur 5 notes, c'est ça. Augmenter juste ou diminuer. Oui, c'est ça. Ok. Enfin bon. Pardonnez-moi pour l'aberration quand j'ai sorti la quinte 5 tons. Mais moi-même, en disant ça, j'étais en mode 5 tons. Ça me paraît bizarre dans le truc. Pourquoi 5 tons du coup? Alors, on est parti, messieurs, dames, nous sommes les rouges. Ninja, uniforme, hôtel, chien, fumée. Ok, fumée, ninja, uniforme, il y a un truc. Kiwi, note, salon, blizzard. Ok. Ok. Mettre en 4 pour hôtel, uniforme, ninja et chien. Mettre en 4, ça c'est excellent. Mettre en 4, ninja, uniforme, chien, et c'était quoi ? Hôtel. C'est pas mal. C'est pas mal mettre en 4. C'est pas mal. Hôtel, chien, uniforme, ninja, c'est pas mal du tout. Cagoule en 3 pour ninja, uniforme et blizzard. Blizzard et salon, j'ai envie de mettre Bennett. Mais faut l'avoir. Hein. Faut l'avoir. Hein. Attends, mais déjà mettre en 4. Hôtel, uniforme, ninja, chien. Après, c'est dommage parce que ninja et fumé, ça va bien ensemble aussi. Maître peut faire penser au tribunal, mot noir. Maître, ouais, mais c'est témoin. Je vois ce que tu veux dire. Fumer avec Blizzard, c'est ok. Ouais, mais du coup, t'as quoi? Fumer Blizzard et ça va juste ensemble et on a rien d'autre. C'est chiant. Poilu égale chien et kiwi. Je note si jamais en vrai. Parce que je vous rappelle que, en fait, tout va dépendre de ce qui va se passer ensuite avec, avec les mots que Beatle va donner, en fait. Ça risque de changer, forcément. Il y a aussi des ninjas très poilus. Ouais, il y a des ninjas très poilus, mais tous les chiens sont poilus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Poilu pour salon aussi, genre salon de beauté. Ouais... Attention, comme Molière considéré comme le maître du théâtre, c'est réel, c'est très réel. Problème de maître, c'est Molière maître de la langue française et du témoin tribunal peut être donc dangereux, je pense. Merci, Matt. Oui, 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 c'est vrai, t'as raison. Kiwi, pas mal poilu, ouais. Hôtel, salon, note, uniforme, suite. Ouais, pas simple. Invisible en 4, ninja, fumée, uniforme, blizzard. Moi, je pense... Vous voulez pas qu'on tente quand même le mettre en 4 pour tester l'open? Parce que c'est l'open. Donc... Et puis au pire, voilà, on prend des risques. Parce que j'aime pas trop faire une open en 2. Je trouve ça un peu triste, tu vois. J'avoue. Je me dis, voilà, hein, go, hein. Mettre en 5 avec notes en plus. Genre le maître, il te met des notes. Ouais, mais si je mets en 5, ça... Tu sais, ça va encore plus s'élargir. C'est beau jeu en 5. C'est beau jeu, mais... Ça élargit beaucoup, tu vois. TripAdvisor en 2. Ouais, mais là, on va tenter surtout des mots... On va tenter en 4, en vrai. Bon, tout pour le content, vous me connaissez, moi j'en peux plus. Mettre en 5. Allez, c'est bon, j'en ai ras le cul. Hop, mettre en 5. Allez, c'est bon. Bot. Donc là, je vais parler avec vous, mais vous en faites pas, ils m'entendent pas. Nightbot, il y en a plein en fait. Voilà, ne vous en faites pas, ils m'entendent pas, ok ? Vous en faites pas. C'est toujours vous qui commencez, tiens. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est nous, ouais. Ouais, c'est nous. Ok, ok. On a l'avantage. Mettre lunettes. De plus, oui, tout à fait. Déjà, maître d'hôtel, je suis quasi sûr. Maître, ouais, maître lunettes. D'hôtel, ça sonne super bien. Maître Molière. Je sais pas, ninja. C'était le maître des mots, tu vois.
Oh, maître ninja, t'as un maître... Maître lunette. Le maître lunettier, oui, non, ouais. Mais c'est bon aussi. Dumbo, je suis japonais. Le maître lunettier, genre. J'ai un temps. Non, mais tranquille, déjà, hôtel, uniforme, ils ont pas encore chien. Voilà, Lila. Maître. Ah oui, chien maître, oui, chien maître, ouais. Ça me semble bien. Mais... Oui. Ouais. Putain, on a trouvé plein de mots tout en haut, alors qu'on n'a même pas vu en bas. Oh, bah, les papillons, il y a des les papillons merci maîtres. Simienne. Ça merci Simienne, merci Xandra. C'est pas ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Maître d'école, lunettes. Non, j'ai toujours pas du coup. Je sais plus, ouais, non, c'est pas... Comment ça, maître lunettes? Moi, je comprends pas du tout. Blizzard, le maître du jeu. Ok, salon. Bah, les profs ont toutes et tous des lunettes. Non, du coup. Rome, note, il a mis quoi? Les profs ont des lunettes, mais quoi? Quand même. L'imaginaire collectif de l'enseignant. Témoin, le maître des kiwis. Ok. Soupe, équateur, crabe. Ah ouais, alors, j'avoue, j'ai pas ça en tête, mais ok. Je pense que maître d'hôtel, okay. On est. Se franchement... faire mettre. Ok. Se faire mettre. Pardon. Ok, j'ai. Non, désolé. J'ai pas compris tout de suite, mais c'est rigolo. Il y a presque un monde. Enfin, n'oublions pas que. Bon, ce qu'on est sûr, c'est. Se faire mettre, ça a du sens finalement. Ok, non mais je dirais que le maître hôtel, il met des notes. Le maître il met des notes. Le maître d'études. Et ouais, c'est chaud. En vrai, pour moi, les plus évidents, c'est hôtel, chien et ninja. Voilà. Moi, je suis plus. Ah ouais, ninja. Bah, maître ninja, oui. Ouais, genre les ninjas. Enfin, comme il a mis 5 mots, je me dis que c'est forcément un peu tiré par les poils du cul, tu vois. Ouais, mais et c'est puis, s'il était vraiment allé sur études et uniformes, lunettes, notes, s'il y avait oui, mais... tout ça dedans, il aurait peut-être. C'est quoi le cinquième? Bah, c'est notes. Prof. Mais tu sais, on dit quoi? Mais il aurait pas eu hôtel. Franchement, quand maître, moi je pense plus à notes qu'à lunettes. Genre, maître, maîtresse, ils mettent des notes, alors qu'ils ont pas forcément des lunettes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est un peu tiré par les cheveux. Bah, je suis pas autant que ninja, tu vois. Bah, après, je comprends. Ouais. Pourtant, ninja. Parce que dans ce cas-là. Piano jet d'eau, t'as les maîtres et tout, là. Ouais, mais. C'est vrai. Études, je suis d'accord. Non, c'est... Études, je suis d'accord. C'est pas dégueu. Un peu. Mais j'arrive. Mais oui, la double authentification, ça marche pas. Enfin bref. C'est glauque. Non mais jouez, faites pas attention à Ibougon. C'est normal. Ok, Ibougon, Ibougon. Bon, déjà, on met hôtel. Ouais. Moi, je dirais hôtel et chien. On a l'air assez déter quand même. Vas-y, non mes chiens. Ouais. Ok. Ok. Et okay. Là, soit on part dans le délire de l'école direct. Ouais. Soit on tente Molière ou Ninja. Ça se trouve, c'est les deux, c'est Molière et Ninja. C'est peut-être qu'il a pensé. En fait, soit il a pensé maître, études, uniforme, lunettes, notes, un truc comme ça. Mais il y en a un en moins, donc c'est bizarre. Mais lunettes, faut soit arrêter, il a pensé hein. Tout de suite à c'est quoi la cette de Molière merde et maître Ninja. Comment ça, lunettes? Et dans ce cas-là, uniforme qui va avec, tu vois. C'est... Non, uniforme, ce que dit Lee est très moi, juste, mais lunettes, je comprends pas pourquoi c'est autant genre ouais, focus lunettes. Directement lié pour. Quand t'as notes à côté, genre. Avec l'uniforme de l'école ou l'uniforme du ninja, tu vois. Ok. C'est réel dans l'imaginaire collectif, le maître a des lunettes. Oui, mais c'est réel dans la vie de tous les jours, le maître et la maîtresse mettent des notes. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends le cliché. Mais avant le cliché, t'as infiniment des trucs plus logiques, tu vois. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, si tout le monde y pense, mais pas toi, c'est que c'est assez logique pour tout le monde. Y a pas tout le monde qui y pense. Y a que ceux qui le disent. Y en a plein dans le chat, ils sont en mode je comprends pas la logique. Donc non. Non, je suis pas d'accord. T'essayes? Tente. Vas-y. Je clique, ok. Ouais. Ah dommage. Ah dommage, c'est là que s'arrête le truc. Études, je comprends par contre. Ouais. Dommage. Peut-être que c'était Molière. Études, je comprends. Parce que maître de la langue, mais après choisir lequel était le bon dans les trucs d'école. Études, c'est gigalogique. Ça. En vrai, il je peux pas trop maître d'études et tout, c'est gigalogique. En rapport avec les mesures, genre des mètres quand on mesure, non, bah ça s'écrit pas pareil. Non. Et ça va, c'est un mot blanc. Franchement, ça va. On s'en sort pas trop mal. Monsieur Krabs, c'est un peu le ouais non. Monsieur Krabs, c'est le maître bah, c'est du Krusty Krab. Ouais, c'est le chef du resto. Ouais ouais. Wow. Rouille en 6, waouh. Et bah. La soupe et le... Oh là là, magnifique mot, hein, Beetle. Oh, c'est incroyable. Molière, t'avais un truc. Ouais, je pense, hein. On aurait peut-être dû me dire mettre Molière après Ninja. Bon. Faire déjà. Ouais, hein. En vrai, train, chaîne, fer, même rail, tout ça, je pense que ça non, rentre dedans, tu peux bon y aller. Hein. Les 4, on a mis tous les deux. Très très bien joué de la part de Beetle. Vraiment pas mauvais. Très très bien joué, franchement. Et tu peux mettre train aussi. Train. Non, je crois pas. Bah parce qu'il y avait rail avec, tu vois, donc ça a trop de sens en vrai. Mais... Ouais, mais parfois il faut pas faire des surassociations. Oui, c'est vrai. Non, mais après okay. Moi, c'est les notes que j'ai mis. Attends, vas-y, enlève tout, enlève tout, enlève tout, enlève tout, et on refait.
Rouille de Molière. Thomas, vas-y, je t'écoute. Une planche. En vrai, moi, planche rouillée, hein, ça me paraît pas déconnant. Hein. Souvent, un les planches. Rouillé machin, dans une planche, bah ouais, quoi, c'est ça. Hein. C'est, ça rouille souvent une planche. Le train, en vrai, un train qui est vieux, un train métallique, oui, un train, à l'époque, ça, c'est rouille. Quand même. Ça rouille, oui, tu vois. Et puis même les. Bah, du coup, les rails des trains, ça allait avec en plus. Bref. Non, mais vas-y, uniforme, go, non. Ok, parfait. Ok, grain, non. Fumée. Pourquoi t'as mis fumée pour la rouille? Je sais pas. Ok, crâne, non. Équateur. Ah, ça m'arrangeait bien. Des très vieilles lunettes en soie sur le papier, ça peut rouiller. Il y a un peu de fer dedans, quoi. Mais... Bah, c'est ça, il y a du fer. Faut y aller, quoi. La soupe, non. Le témoin. La soupe, non. La soupe de poisson. Bah, évidemment. Avec la rouille dedans. Oh. Bien sûr que si. En plus, il aime bien la bouffe. Bittel. Bittel, non. Oui, mais bon, je suis pas sûr mon qu'il pseudo, aime la mon soupe. Mon pseudo, c'est Bittel, au cas où. Salut, Céline. Ça veut dire quoi? C'est un truc en rapport avec... Non, il rappelait juste son pseudo comme s'il avait dit mon prénom c'est Adrien. Enfin, vraiment, genre, ah, parce que je pensais que ça voulait dire un truc genre bouffe. Oui, par contre, son prénom c'est pas du tout Adrien pour le non, coup. Il s'appelle Maxime, je c'est sais. C'est ça, exactement. Mais est-ce que Bittel ça veut dire... Il a mon adresse aussi pendant qu'on y est ou... Alors, si j'avais son adresse, c'est le... Non, mais on est d'accord, la rouille pour moi c'est aussi ça. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il a mis, il aurait juste mis métal. Bah, planche et soupe alors. Attends, il nous en manque combien? Deux. Là. Vous voulez pas tenter Molière? Vas-y, go soupe. J'ai fait planche d'abord. Oh, ils ont... Mais quel con! Ok, soupe dans ta tête, soupe et lunettes dans ta tête. Ok, je me mute pour... Mais c'est vrai, en plus, c'est un bâtard de faire ça. Ils sont en train de débattre et ils valident un truc. C'est un bâtard, en vrai, faut pas faire ça. Non, mais c'est vrai. Merci, Neil, pour le 30e mois. Merci beaucoup. 4 ans de follow ce mois-ci. Je peux un peu moins passer sur les en ce moment, mais c'est toujours un plaisir. Merci, Neil. Merci beaucoup. Bon, on y va. Du coup, on enchaîne. Bon. Note uniforme, ça fait très école privée. Fumée, kiwi, blizzard, salon. C'est chaud, hein, putain. Patch en deux pour blizzard et note. J'ai peur que ce soit chaud, en vrai. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Blizzard, fumée, uniforme, camouflage. Blizzard, fumée, uniforme. Attends, c'est... Attends, camouflage en 3. Vous en pensez quoi de camouflage en 3? C'est une bonne idée, ça, attends. Camouflage, uniforme, fumée. Et Blizzard, évidemment que c'est un peu tiré par les cheveux, mais pas le choix, quoi. C'est pas dégueu, camouflage, parce que sinon, il y a... Bon, par contre, s'ils mettent lunettes, ils vont mettre lunettes. Ils vont mettre lunettes, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain, ils vont mettre... Ils vont mettre lunettes. Putain. C'est sûr. Il y a papillon aussi pour camouflage. J'ai pas la ref. Le papillon peut... Ah, dans le sens où le papillon se camoufle. Ok, d'accord. Ok, je crois que c'était une expression qu'on pouvait utiliser. Ok. C'est un peu galère, là. BlizzCon. Ouais, mais il y a Blizz dedans. Je suis pas sûr d'avoir le droit, pour le coup. Je suis pas sûr. Hein. Tu peux pas te servir de Blizzard avec tes rêves de jeux vidéo? Bah, le truc, c'est que salon Blizzard, bah, je mettrais Bennett, par exemple. Note. Ben, du coup, je... Il faudrait genre patch, par exemple. Mais patch, moi, tu me mets patch en deux. C'est chaud. Je trouvais pas qu'ils sont vraiment durs, mes mots, quand même. Fumée, salon, blizzard, kiwi, notes, uniforme. C'est un cauchemar. Uniforme, fumée, salon, blizzard pour feu. Ouais... École égale uniforme et notes. Bah non, ils vont encore penser à lunettes. Donc moi, j'avoue. Convention en 3 pour blizzard, salon et uniforme. Ouais, c'est vrai. Convention en 3. En vrai, ça se tente, non? Convention en 3, vous en pensez quoi? Convention, donc les uniformes dans les conventions, etc. Et le salon blizzard, la BlizzCon, qui est une convention. Voilà. C'est pas immonde. C'est pas immonde. Ils vont mettre place. Bah, c'est un mot blanc. Ça va. Tant que c'est un mot blanc, ça va. Uniforme de convention. Bah, l'uniforme, c'est une convention. Tu vois.
Cosplay, c'est mieux. Cosplay ? Ah ! Peut-être que c'est mieux cosplay en 3. Blizzard salon uniforme. Peut-être. Peut-être. En 4 pour le mettre d'avant. Non, ils vont mettre lunettes. C'est un cauchemar. Cosplay égale lunettes. Mais oui, c'est vrai, ils vont revenir vers lunettes. Non, mais laissez tomber. Je mets convention en 3 et on voit ce qui se passe. Là, c'est trop cauchemar. C'est trop cauchemar. On va voir si elle pense à Blizzard, au salon, salon Blizzard et uniforme, parce que l'uniforme, par définition, c'est une convention. Je crois que je suis obligé de faire ça. Hein. Cosplay en 4 avec notes. Ils l'auront pas. C'est un cauchemar, il faut jouer, il faut jouer. Cosplay égale lunettes. Non mais c'est pour ça que je mets convention. Go comme ça. J'y crois pas de fou, mais on n'a pas trop le choix. Là, j'avais déjà convention. Fait une partie. Putain, c'est dur là. C'est vraiment dur. Hein. Oui, convention. Ah bah une convention, c'est un salon. Du coup, Blizzard, ouais. C'est à eux là. Parce que convention, il y a des chances en vrai. La BlizzCon. Non. Putain, j'en peux plus de Molière. Enfin non, en plus j'aime bien, mais... Une convention en 3. Il y en a une bientôt en avril d'ailleurs. Maître, on en avait deviné 3. Ouais. Donc je pense pas qu'il a rajouté les deux qui manquent dedans, parce que sinon il aurait mis convention pour place, un. Il place, c'est pas grave. Ouais, donc, c'est je pense ça. On a vraiment 3 de convention. Place, c'est pas grave. Peut-être on peut en retaper un pour mettre après, tu vois. Je pense, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Par contre, convention salon, Molière, je n'ai pas la ref. Hein, vraiment. Salon. Ouais. Salon et Blizzard. La BlizzCon. La BlizzCon. La BlizzCon, ouais. Trop bien, la BlizzCon. Non, vas-y, je tape salon, tu tapes Blizzard ou le contraire? Vas-y, vas-y, mets salon, je mets Blizzard. Vas-y, j'y vais, c'est parti. Ok, ça passe. Yes, ça passe. Ok, let's go. Ok, là, une convention. Après, là je peux pas leur en vouloir, sauf si elles disent Molière, mais si elles mettent place, il n'y a aucun souci, tu vois. Place. Note, pourquoi note? Je comprends. C'est pour mettre. Merci. Ah, place de la convention. Ça existe, ça? Ben oui, la place de la convention, c'est pas super connu. J'en sais rien. C'est pas genre à moi, Paris, je connais pas, je sais pas quoi. C'est pas Lyon. Non. Ah, peut-être que la place de la convention, c'est à Genève et ça n'a rien à voir. Après... Non, mais il y en a une qui est connue à Lyon, okay. Mais en règle générale... Non, mais place, c'est pas grave. Qui se dit pour des places, en vrai, sans vouloir trop vous aider, c'est sûr. Après, tu portes un uniforme en convention, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est une convention de porter un uniforme. Quand on demande de porter des uniformes, c'est conventionné. Du coup, c'est pas du tout connu, soit c'est français, et dans ce cas-là, même si moi je connais, c'est que c'est connu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après Lyon, c'est à côté de la Suisse, non? Oui, c'est une. Oui, c'est pas loin. Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est un règlement. Vois, oui, mais Raden, on est en train de jouer à Codenames. En vrai, et qu'il y a le Rhône qui passe. C'est le principe du jeu. Chez nous. C'est de. Tu vois ce que je veux dire? C'est de open. Lequel on est le plus sûr là, parmi les trois? Yeah. Moi, celui qui me parle le plus, c'est Place de la Convention. Ok. Mais ouais, je comprends là pour le coup. C'était maître. Pour le règlement, c'est la convention collective, bah littéralement, hein. Oui. Et note, je pense. Note. Mieux que uniforme et lunettes, parce qu'un maître a pas forcément des uniformes et des lunettes à part dans une bande dessinée des années 90. Bah en vrai. Je tenterai place pour finir les mots de convention. Enfin, tu sais, comme. Ah, dommage! Ah, j'ai tenté, du coup. Je crois qu'en effet, la place de la convention, c'est vraiment connu et c'est vraiment à Lyon. Hein. Ah, merde. C'est le mot blanc, c'est pas grave. Ouais, bah, c'est. Je crois que ta réflexion était bonne. Mais c'est trop dur. Uniforme, fumée, kiwi désolé, et notes. Nice try. Désolé. Non, mais c'est chaud, c'est chaud. Peut-être on se concentre. Déjà, on a soupe. C'est un dur. On a deux sur roue, normalement, on sait qu'on a soupe dessus quasiment. C'est chaud. Moi, je clique soupe direct. Vas-y. Regarde même pas le mot, je veux que tu saches pas que c'est le mot où t'as appuyé sur soupe. J'ai la flèche sur le doigt. Le doigt sur la flèche. Non. Bah ouais, pompier en deux, mais on peut pas faire ça. Ok. C'est loose sinon. Allez. Si on fait ça, c'est perdu. Du coup, tu mets la flèche sur le doigt grâce à tes doigts. Mais non, le doigt sur la carte. Oui, mais c'est grâce à tes doigts à toi que tu fais. Non, grâce à ses doigts, elle touche la souris et c'est la souris qui déplace le curseur, qu'elle place sur le doigt. Donc c'est doigt, souris, flèche, doigt. Voilà. Ok. Ça reste quand même le la flèche étant le curseur du coup. Exact. Le curseur. Du coup, moi je pense Tsuna, on a Molière et Note, hein. Vraiment. Hein. Et le deuxième roue, ça s'appelle. Du coup, tu penses qu'il s'est dit qu'il y avait des conventions sur Molière, sur. Non, je pense que c'est pour maître. Il nous manque deux maîtres. Et tu penses que pour convention, il a mis 3. Pourquoi il aurait mis 3 alors? Ah, parce que s'il voulait qu'on complète. Ouais. S'il voulait qu'on complète. Tu sais qu'il y a un chien.
Moi. J'allais faire la vanne. C'est ma grand-mère, elle est malade. Il fallait la faire, fallait la faire. J'arrive. Elle a l'air très malade là quand même. Bitel, bitel, ça veut dire quelque chose du coup en japonais ou pas? Absolument pas. Par contre, ponce en japonais veut dire. Ça veut dire. Vas-y, va au bout. J'en ai aucune idée. D'accord. Ah, mais à 10 à 18. Ok, à nous. Animal en deux, ok. Ok, ça va. Vas-y, clique sur soupe, bien ouais. Ça, c'est fait. Ok, ensuite. Oh oui, le kiwi. Oh oui, le kiwi. Oh oui, le kiwi. Oh oui, le kiwi. Alors, un animal. Ah, c'est vrai le papillon et le crabe. Et pourquoi le kiwi? Le kiwi, bah, c'est un animal, ouais. Bah, oui. C'est un oiseau. Okay. D'ailleurs, il faut savoir que le fruit s'appelle comme ça parce que l'oiseau s'appelle comme ça. Mais non. Voilà. Si, à l'origine, ça s'appelait prune de Chine, mais à cause de la guerre, la Chine avait mauvaise presse. Donc du coup, ils ont renommé prune de Chine en kiwi parce que ça ressemblait à l'animal de kiwi. Voilà. Putain. Allez. Petit. Wow. Fact, allez, j'adore. Dans le maître des culture. Fleurs. Ah, bienvenue c'est... dans le maître des fleurs. Bon, à ton avis, est-ce que comme tout à l'heure avec Fève, Beetle, il sait même il pas qu'un kiwi c'est un animal. Après, c'est sûr. Un kiwi c'est plus un animal qu'un papillon, puisqu'un papillon c'est un insecte. C'est assez vrai. Mais déjà crabe alors. Mais oui. Après, si tu vas dans la dent crabe, c'est plus. C'est moins un crustacé, animal parce ouais. que c'est un crustacé. Oui, mais c'est quand kiwi, même plus un ça ressemble plus à un animal qu'un insecte sur non, le papier. Mais au crabe. Ouais. Maintenant, c'est la question, c'est est-ce que c'est kiwi ou papillon? Kiwi ou papillon et rouille. Voilà. Moi, je pense que c'est. Ah, j'ai plus envie allez. De kiwi que papillon. Ouais, ouais. Allez, kiwi. Ki, moi, ki, je crois ki. Vraiment que spontanément, pour qu'ils nous en mettent deux, c'est que c'est le plus évident. Et le plus évident comme animal, c'est plus un papillon qu'un kiwi. Elle a pas tort. Je pense elle que est forte, hein. Moi, très très forte, Céline. Oui, parce que. C'est pas pour rien que je l'ai embauchée. Je pense que spontané, tu penses. Je suis d'accord que spontanément, tu mets merci, papillon et après, Little au pire, Edward, du pire normalement. C'est pas le mot noir papillon, tu vois, il a mis animal, il a c'est bien pas pour rien papillon, qu'elle travaille animal, avec moi, c'est la meilleure. C'est autre chose que blanc ou bleu. C'est ça. Donc, je pense ou alors il dit vraiment qu'un animal. Je c'est vous pas présente Céline, extrêmement intelligente. Oui, dans bon, ce cas-là, après... là on est baisé. Non mais là ça veut rien dire parce que bah, un oiseau c'est pas un animal. Enfin tu vois, genre c'est quoi un animal. Non mais vas-y, go papillon, je pense. Bah clique alors. Ah, ok, c'est moi. Allez. Let's go. Très intelligente. C'est mon bras droit. On peut plus faire rouille. Non, parce qu'on a fait quand même 18 deux, d'intel. On a mis le premier de rouille. On a mis soupe, ah, crabe, papillon. Mais ça se trouve, du coup, le deuxième de rouille, c'était crabe. C'est possible, tu vois. Justement, okay. T'en parlais, soupe au poisson, on peut mettre du crabe. De... Alors, il y a quelqu'un qui a dit un truc très intelligent, mais Ben, le problème, c'est qu'ils vont jamais l'avoir. Ponce, tu peux mettre 4, armé en 4, uniforme. Donc, ça, on l'a. Fumé, une grenade fumigène, etc. Kiwi, le kiwi est le surnom des soldats néo-zélandais. J'avoue, je savais pas. Tu vois. Et notes, les ordres et les instructions sont souvent notés dans l'armée. Super chaud. Alors c'est super intelligent de ta part et c'est super bien vu, mais jamais ils l'auront, genre vraiment jamais. Je pense que si je mets armée ici... Oh mais attends, non mais attends, on rigole, mais... Attends. En vrai, la dinguerie, c'est qu'il n'y a pas d'autres mots qui peuvent rentrer. Armée, bon bah Molière, t'oublies. Grain. Voilà, équateur, bon bah voilà, lunettes. En vrai Rome. Ouais, oui, c'est vrai. Lunettes, arrêtez avec lunettes, je vous en conjure. Lunettes sniper, oui, c'est vrai. Ça, oui, d'accord, ça, d'accord. Ça, d'accord. Mais arrêtez avec lunettes. Genre... Putain. Restaurant ou cuisine en 4. Note, kiwi, uniforme et fumée. Ouais, mais il y a Rome. Il y a Rome, en fait. Rome dans cuisine, ça nous met mal, hein. Le Rome est partout, putain. Là, c'est. Par contre, je vous précise, là, c'est un mot en 4 ou rien. Ça ne sert à rien de chercher des mots en moins de 4. Voilà. Parce que sinon, c'est perdu après. Voilà. Jamais je clique sur Rome avec cuisine. Bah, pourtant, en vrai, franchement. Moi, je crois même qu'avec cuisine, je clique plus sur Rome que sur genre kiwi, tu vois. Possiblement. J'avoue. Uniforme, fumée, kiwi.
En fait, c'est Kiwi, quoi. Kiwi, ça nous met au fond du gouffre. Hein. Kiwi, ça nous met trop mal. Hein. Cantine. Oh, cantine. L'uniforme des gens qui te servent. Enfin, de toute façon, cuisine. Le kiwi, t'as pas de rhum à la cantine. À la cantine, tu vas à l'école, notamment, où t'as des notes. Top Chef ou bien Michelin ? Michelin ? Putain, c'est chaud. Ah ben, c'est chaud. Cantine, il y a un petit truc, hein. Je vais tenter cantine, en vrai. Le rhum, c'est plus en pâtisserie qu'en cuisine. Ouais, mais la pâtisserie, c'est une branche de la cuisine. Quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Vas-y, je teste cantine, de toute façon. Après, fumer dans la cantine, c'est chelou quand même. Hein. Tu vois ? C'est bizarre, non ? Pourquoi fumer cantine ? Bah, dans les cuisines. Top Chef, ça passe mieux. Top Chef en 4 ? Uniforme kiwi, not fumé. C'est vrai que Top Chef en 4, c'est pas mal quand même. Rome. Ouais, moi c'est... En fait, le truc, c'est que cantine évite le... Vas-y, bon, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. On tente ça et on va voir ce qui se passe. En fait, le problème, c'est qu'il faut enlever Rome de leur tête. Et cantine, il n'y a pas de Rome parce que bah, c'est affilié vachement à l'enfant. Donc on va tester ça. On teste ça, ok ? Qu'il y a d'autres ? De toute façon, on a 4 mois à faire découvrir, ils en ont un. Donc... Et en plus, elles ont l'air vraiment chaudes de Molière. Donc à tout moment, de toute façon, je suis bézouzin. Ah ouais, mais... Ah putain, c'est à eux. Bah oui, c'est pas nous. Elle a mis Molière ? Elles ont mis Molière, mais putain, mais... Ouais, mais cantine, du coup, il part dans le délire de l'école, du coup. Okay, je pense que là, en fait... cantine et pas d'un resto, c'est parce que peut-être il parle un peu d'école, mais du coup, pourquoi cantine ? Pourquoi il parlerait de bouffe ? Parce que je pense que... Ouais, non, je sais pas, en fait. Non, mais il faut arrêter Molière. Franchement, il faut arrêter Molière. Molière, le seul truc qui est rapproché de Molière, c'était maître. Attends, parce que et genre, je n'ai jamais un seul mot qui retournait avec. C'est bon. Quand ils ont pensé à l'école, ils ont pensé à tous les mots. Là, il est obligé de clutch. Donc là, on a clairement 3 mots. C'est ça, je pense. On a 3 mots qui font école. Notes, lunettes et uniforme. Nous, on a... Même au putain, début, mais lunettes, mais du coup, quoi. Il aurait pas mis maître. Il aurait mis prof ou école, tu vois. Et du coup, il a un autre truc, c'est de la bouffe. Et il s'est dit, c'est quoi le rapport entre l'école et la bouffe ? C'est la cantine. Ouais, le fou. C'est logique, non ? Ou peut-être pas du tout. Peut-être je bats ouais, mais... total. Tsuna ? Oui ? Apparemment, tu es mute sur ton stream. Ah ouais ? Ah ouais, merci Vitel. Combien de temps ? De rien, ça fait plaisir. Telle est la question. Depuis que le chien a pété un câble avant, en fait. Depuis que je mange des madeleines. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Depuis que je mange des madeleines, t'es si précis. Mais oui, parce que le chien a aboyé, du coup je me suis mute, je suis allée chercher les madeleines. Il faut vraiment arrêter les lunettes. Hein. Mais cantine, il y en a pas beaucoup, il y aurait juste kiwi, en fait. Hein. Bah ouais, kiwi c'est ça. Et notes. Bah du coup, les 3 mots qu'on avait pour école, c'était uniforme, lunettes et notes, qu'on a pensé avec maître. Ouais. Et puis le seul autre qui irait avec la bouffe, bah, c'est kiwi. Mais je sais pas si c'est... Bah, capillotracté comme réflexion aussi. Mais c'est que je me dis, en fait, il est obligé de clutch. Il est ça oui, ça la raison. Là, s'il a 3 mots en rapport avec l'école et 1 mot en rapport avec de la bouffe, il s'est dit, école, bouffe, cantine. Ouais. Est-ce que grain, ça fait plus bouffe que kiwi ? Mais c'était quoi leur animal à eux, si c'était pas kiwi ? Vu que c'était pas papillon. Ah si, c'était papillon. C'était papillon. On a eu tout juste, nous. Crabe pour la rouille. Ouais, non, crabe, papillon pour animal et ils ont mis soupe pour la rouille. Ils leur avaient bien mis animal 2. Du coup, ah, ils avaient oui. Deux animaux et c'était crabe et papillon. Les et animaux. Oui, là le seul enfer... Mais je ouais. Pense que Vitel sec, hein, kiwi, c'est un animal, mais je pense qu'il... Vous êtes de mauvaise foi, note est aussi illogique que Molière. Il nous prend pour des idiots, c'est ça. Alors... Ouais, les deux sont logiques sur maître, on est d'accord. Sur Molière, maître c'est logique, maître et note c'est logique. Putain, c'est cela dit, avec ce qui s'est passé après. C'est quoi le premier genre là, typiquement cantine, ça rapproche plus de la note que de Molière. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, moi je suis d'accord sur maître. On avait hésité avec Molière parce que c'était le maître de la langue. Mais par contre, lunettes, je suis désolé et je vais leur dire, mais lunettes, je ne comprends pas. Ouais, mais je comprends pas. C'est l'école. L'école, il y a beaucoup d'écoles Molière, quelque chose, non ? Non, ça n'existe pas. Je comprends pas. Il doit exister des écoles Molière. Des collèges Molière, des machins. Mais là, c'est pour ça que c'est ça. Mais en fait,
nous, au début, quand on avait vraiment présélectionné une la cantine imaginaire, moi, j'ai vraiment dit, ça, c'est des mots école. Donc, il aurait mis un mot d'école pour dire ça. Ouais. Et du coup, ça vient vraiment de la ref au premier round. Donc, peut-être non, mais arrêtez de justifier lunettes. Si dans aucun mot, monde, bah, lunettes que... est plus cohérent que note enfin, tu vois, parce avec que tout moi, ce que j'ai dit. Tu vois ce que je veux dire? Ou que uniforme, ou que arrêter. Genre, mettre lunettes, alors qu'il y a note. Cantine, lunettes, alors qu'il y a note. Arrêtez, arrêtez d'argumenter lunettes. C'est dead. Arrêtez, vraiment, c'est... Molière fait peut-être plus école que lunettes. Je sais pas. Ouais, lunettes, c'est... C'est un peu floux. Ouais... Bon, le seul truc qui peut faire cantine, c'est kiwi. Après, il y a grain, mais ouais. Pff, vraiment, c'est. Ouais, le c'est problème, quoi c'est fumer. On commence par tenter uniforme parce que ça marchait avec maître d'école, ça marchait avec convention. Ouais, fumer, c'est dead. Fumer, c'est dead. De toute façon, c'était uniforme. Ça qui était dur. Hein. Ok. C'était le mot qui était dur. Hein. Les petits frissons. Est-ce qu'on va avec note? Parce qu'on a hésité plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois, ouais. Tu veux pas qu'on le fasse une bonne fois pour toute Molière? J'en peux plus. Je veux savoir si Molière y passe. Molière, il était bien. OMG. Ouais, mais pour moi, Molière, c'est le garde de la game d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est juste, soit c'est celui qu'on veut absolument cliquer dessus pour aucune raison depuis le début, comme le garde. Alors qu'en fait, c'est logique, mais d'un autre côté, c'est... Je sais pas, punaise. Parce qu'il est reparti dans l'école. Oui, mais école, il y a de la bouffe aussi. Cantine, tu vois. Théâtre, mais que... ouais, la théâtre, cantine. Parce qu'il aurait pu mettre d'autres avec théâtre. J'ai pas dit genre école, j'ai dit cantine. Ça me fait un petit stress. Ouais. Mais tu vois le truc avec le garde d'avant, que depuis le début, je savais que vous alliez le mettre. Je savais pas comment faire pour que vous le mettiez pas, tu vois. Mais là, Molière, bon. J'avoue, école, Molière, cantine, putain, je sais pas. Moi, je dirais, c'est plus safe de mettre note d'abord et on a de nouveau ce débat après. Oui. Allez. On essaye. Oh, mon Dieu. Bah, note, ça fait trois mots que c'est possible. Donc, oui, merci. Ok. Faut qu'ils arrêtent de clutcher là. Ouais, ils vont choquer, ils vont choquer. Du coup, maintenant, c'est deux. Soit kiwi, Molière. Et en plus, merci de le rappeler, les cantines, il y en a partout. C'est pas que l'école. Les cantines d'entreprise, les... Parce que bouffe, il y a plein de cantines. Pourquoi il aurait mis cantine? Il nous a mis trois mots d'école. Le rapport entre l'école et la cantine, c'est la bouffe. S'il s'est dit, putain, j'ai trois mots d'école, un mot de bouffe. Bouffe, école, mais cantine. Un bon rhum à la cantine, par exemple. Ouais, voilà, ok. Céline, j'ai tout fait pour éviter qu'ils aillent vers Rhum, je t'en conjure, arrête. Parce qu'il y a aussi, tu vois, genre... Arrête. Mais tu veux tenter kiwi? Parce que de toute façon, kiwi, il y a que ça, à part les graines, mais on n'est pas des poules, tu vois, à la cantine. Ouais, je suis d'accord. Équateur, non, témoin, impossible. Rhum à la cantine, c'est un truc d'école, fumé. On fait du truc fumé à la cantine, non. Je pense que Ponce a réfléchi au kiwi par rapport à l'heure. Il est 14h02. 14h02, c'est un peu l'heure de la cantine. Et est-ce que ça serait pas aussi un peu l'heure du goûter où on mangerait un petit kiwi? Mais tout à fait. Allez, petite cuillère. Comment vous mangez vos kiwis? Vous croquez dedans comme des animaux ou vous les coupez en deux et vous mangez comme un yaourt avec une cuillère? C'est très important comme question. Exactement. En deux et après je mange tout. Moi je mange pas de kiwi. Moi je mange la peau depuis que Sheyu m'a appris à manger la peau. Moi aussi je mange la peau depuis que Sheyu. C'est une dinguerie. Vous mangez la peau? Ouais. Tu frottes les poils? Non, tout. Ah, tu frottes les poils, ça s'enlève, c'est plus piquant et tu grailles la peau. Ouais, tu frottes les poils, ouais. Tu frottes les poils et ça part tout seul. Et je te jure, et vu que souvent, bah, comme d'hab avec les fruits, dans la peau, il y a quasiment tout. Bah... Mais vraiment, c'est trop ça dans bon. La vraie premier vie, degré. Tu frottes les poils et il y en a plus. ça serait trop bien. Bref. je pense à mes aisselles et mes jambes, évidemment. Donc voilà, cantine, je dirais lunettes, kiwi. Attends, mais est-ce qu'on est tunnel vision ou pas? Est-ce qu'on est tunnel vision? Cantine équateur? Non, mais genre fumée, tu vois. On sait pas. Cantine. Non, merci, Lee. Non. Mais, comment ça, non? Pour moi, c'est soit kiwi Molière, soit kiwi lunette. On est d'accord. Bon, bah, allez. Franchement, je pense que oui. Allez. Donc, on met kiwi. Comme ça, on est fixé. De toute façon, allez. On a un 50-50 à faire à la fin. Go next. Parce qu'en plus, il a mis animal alors qu'il avait soupe et il a pas mis aliment. Parce que du coup, c'était bien nous kiwi. Donc maintenant, on a soit lunette, soit Molière. Moi, je pense que c'est lunette parce que c'est ce qu'on a dit au début. Mais toi, depuis le début, tu veux Molière. Ok, vas-y. Est-ce que je te fais confiance? Je te fais confiance. Let's go! Oh non, j'aurais tellement pas dû céder. Je suis désolée, Ponce, j'aurais pas dû céder. Oh non! En plus, j'ai dit exactement la vérité. C'était les trois trucs de l'école. En vrai. Fumé. En vrai, on s'est battu. On l'avait pas du coup. Non, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que je. Dans
j'ai dit aucun mot qui avait un rapport avec les lunettes, si ce n'est le cliché de on sait pas trop, il y a des lunettes à l'école, on sait pas trop, mais ok, genre. C'était la fumée pour la cantine. Oui, c'est exactement ça. C'est pas regarde ce que j'ai dit. Regarde ce que j'ai dit à. Bah, regarde moi ce que j'ai dit à Céline. J'ai dit il y a de la fumée dans la cantine quand tu fais à manger dans les énormes casseroles. Ah oui. Moi j'ai été en c'est mode des énormes casseroles. Donc il y a de la fumée qui sort des énormes casseroles quand tu fais chauffer des trucs. Master class. C'était forcément tiré par les cheveux. Bittel, t'as trop bien joué. La rouille, c'était quoi quand même? La rouille, c'était quoi le sixième à la base? Regarde-moi bien, Luthi. La vie de ma mère, une planche rouillée, frérot. Amène-moi une planche rouillée. La vie de moi. C'était quoi du coup? C'était crabe. Tout à fait, parce que en fait, et tu l'as dit en fait, Céline, la mayonnaise, tu la manges avec enfin le crabe, tu le manges avec quoi? C'est vrai, c'est vrai. Et la rouille, la mayo, machin. C'est quoi, le truc avec la rouille? C'est des épices, de la mayo, de l'ail, si je me trompe pas. La sauce rouille, et j'ai plus le reste. Mais oui, en tout cas. En tout cas, le moment où tu as parlé de soupe et de rouille, je t'ai béni, Céline. Voilà, je te le dis. J'étais là, j'étais en mode. Luthi, il passait, il était en mode soupe. Non, c'est pas possible, on en a rien à foutre. J'étais en mode. Il faut 2 jaunes d'œufs, de la moutarde de Dijon, huile d'olive ou huile neutre, gousse d'ail, paprika, safran, espelette. Ouais. Donc en effet, c'est où parce que du coup, le truc que j'ai dit qu'on faisait avec Molière, le truc du garde, on le faisait avec Molière et avec les lunettes. C'est ouf, on a tout. Et en plus, à un moment, j'ai dit la fumée, on mange des trucs fumés à la cantine et tout, mais ça m'est parti trop vite. Mais toi, tête, c'était en vrai, toi, c'était hardcore, pense. Hein. Ah ouais, la grille était horrible. En vrai, la grille était vraiment immonde de chez immonde. Et en plus de ça, vraiment, je comprends le Molière sur maître. Je comprends parce que pourquoi pas. En vrai, oui. Pourquoi pas. Mais genre, déjà, le lunette, vraiment, je comprends toujours pas. Hein. Sur tous les mots que j'ai donnés, lunette, juste quoi. Et ensuite, Molière, genre, vous avez hésité 15 ans, et Bittel a trop bien joué, il a pas fait deviner. Et du coup, justement. Et du coup, vous reveniez sur Molière, alors que à part Maître Molière, où je suis d'accord, Maître Molière, il y a un truc. Tu l'apprends à l'école, les écoles, peut-être Molière, tu vois ce que je veux dire? Il y a des collèges et lycées Molière, hein, vraiment, en premier degré. Oui, mais moi, j'ai pas parlé de collège et lycée, j'ai dit maître. Ouais, mais t'as parlé de cantine. Oui, j'ai dit oui, c'est vrai. J'ai cantine après, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai que c'était école bouffe. Et donc, du coup, après, à partir de là, non, mais c'était chaud. De toute façon, j'avais 4 mots. 4 mots, c'était kiwi, note, uniforme et fumée. Non, c'était très dur. Impossible. Vraiment, c'était ultra dur. C'était dur parce que je crois qu'on est juste meilleur. Je crois. On a gagné une fois quand même. Ah, je suis vraiment content que vous ayez trouvé le rouille pour le coup. Oui. Après, j'avoue que la cantine, vous avez focus école alors que des cantines, il y en a dans toutes les entreprises. Enfin, pas dans toutes, mais la cantine, c'est. En vrai, c'est horrible, mais la façon dont nous on conceptualise la cantine de base, c'est à l'école. C'est à l'école. Ouais. Mais en fait, le problème, vraiment, c'est là où tu le connais et tu le vis la plus grande partie de ton temps. Mais je pouvais. Parce qu'on n'a pas travaillé dans des. Ouais, mais comme il y avait des mots d'école quand même, fallait compenser à une école. Non, pas spécialement. Pourquoi? Bah les attends, c'était quoi déjà celui-là et uniforme celui-là. Note et uniforme. Bah alors note avec maître, ça me semblait plus logique que lunettes, j'avoue. Un maître, il donne des notes quoi qu'il arrive, il a pas forcément des lunettes, tu vois. Maître d'études par contre, c'est dommage. Maître d'études, c'était bien joué. Mais c'était bien joué, ça pour le coup là, j'ai rien à dire, tu vois. Mais à la fin par exemple, moi je voulais mettre, tu vois, uniforme, fumée, kiwi et note. Je pouvais mettre des Top Chef, des trucs comme ça, mais il y avait Rome. Rome, ça m'a bézouzé. Ah non, c'était trop dur pour toi. Cantine, ça nous roule, nous a mis trop bien en fait. J'y ai pensé instant au Top Chef quand j'ai vu ton truc et j'ai fait il y a Rome, c'est bon. Ouais, Rome flambé, machin et tout, c'est impossible. Mais c'était dur, hein, la grille était dure, mais la grille était ultra dure pour toi, vraiment. C'était pas le mot noir, t'aurais pu tenter le truc du Top Chef ou quoi au premier. Non, parce que c'était le prochain. Mais tu t'en débarrasses, tu vois. Oui, mais non, parce que c'était le dernier. Vous aviez un mot après en face. Enfin, ils avaient un mot, tu vois. Non, c'était loose, c'était vraiment le dernier truc. Mais c'était dur. Ouais. T'allais mettre quoi pour Molière du coup? Sganarelle. Vraiment tout simple. Honnête. C'est quoi Sganarelle? J'ai pas la. Sganarelle, c'est un des personnages les plus connus c'est de. C'est le personnage de, qui revient tout le temps. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah. Luthi, tu l'avais? Oui, Sganarelle, oui, quand même. Ah, ok. Sinon, ça aurait été marrant, les deux, ils auraient dit non, bah je l'avais pas. Puis en fait, j'aurais mis ça, c'était évident. Et les deux, on n'aurait pas su ce que c'était. En gros, je pense que je n'y aurais pas pensé au nom, mais j'aurais vu le nom, je m'en serais rappelé. Mais jamais j'aurais pensé de moi-même. Mais en voyant le truc, j'aurais dit oui, c'est un truc de Molière. Enfin, tu vois, misanthrope, je sais pas. Non.
Misanthrope. Bah alors oui, mais après, en fait, c'est juste que genre. Sganarelle, c'est vraiment très explicite. C'est, en fait, c'est un personnage moi, inventé par Molière qui est dans toutes les œuvres de Molière. Enfin, pas toutes, mais. Pour moi, c'est genre vraiment lui. Enfin, c'est. Il est dans quasiment tous ces trucs, quoi. Il y a toujours une référence à Sganarelle. Moi, j'avoue que Scapin, ça parle mieux. Ouais, Scapin aussi, ouais. Okay. Après, peu importe, puisqu'on a tout de même gagné. De toute façon, on a gagné, donc on s'en bat les steaks, ouais, effectivement, t'as raison. C'est vrai. T'as raison. Putain, je suis désolé. Regame. Petite dame, allez, on fait répartir les équipes au hasard. 1, 2, 3, réinitialiser les équipes, répartir au hasard, c'est parti. Voilà. Ah, pense à vu qu'il était avec moi, il a fait. Hop, je réinitialise. Non, regarde, on est ensemble après. Qui veut y aller du coup? En vrai, comme vous voulez. Moi je fais chaud, sauf si pense tu veux faire une revanche parce que t'avais des mots durs. Vas-y. Allez, j'y vais. Elle est contente, elle est trop contente. Vous voulez faire quoi? Ah, bah un de vous deux, ça sera plus simple. Ah, tu veux y aller? Tu veux retourner? Moi, je préfère ne pas y aller. Bah alors, j'y vais si tu veux. Je préfère ne pas y aller. Non, mais au moins, si moi je dis. Non, avant ça, moi quand je dis que ça m'est égal, souvent ça m'est vraiment égal. Alors, autant qu'ils disent qu'il y en a un qui préfère, que ça m'aide à choisir. Ouais. Je préfère rester. Voilà. J'ai le truc de merde là, j'arrive pas à me connecter à mon Twitch pour me connecter à Moubot et tout. Il me demande la double identification et il m'envoie jamais le texto de validation. C'est trop Wizbot, chiant. C'est pas Moubot, c'est Wizbot pour le Bingo, mais ça fait pareil. Le truc, c'est que tous les bots, il faut que je me connecte avec Twitch. Et à chaque fois, il me demande la double authentification. Et à chaque fois, le texto ne s'envoie jamais. Il va s'envoyer genre 4. Tu l'as jamais paramétré sur l'application? Et vous avez dit qu'on pouvait en faire gagner 3 des trucs? Ouais, tout à fait. Un code names classique. Ah oui, faut que j'en sache la game, pardon. Image et un code names duo. Oui. Ah, et du coup, faut dire à chaque fois qui a gagné lequel. Bah, soit tu leur dis pas et on fait. Tu fais random quoi. Oui, mais vous faites très bien de le rappeler après la prochaine game. Ouais, on a trois jeux à faire gagner. Trois jeux à faire gagner, ouais.